Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay thousands, nay tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for. Even fewer ever leave. Welcome to The Cave. That's me, The Cave. Yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire. And you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. Eh bien, salut à tous, c'est Naxi. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vidéo test aperçu sur The Cave. Donc un titre qui est sorti sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360 le 23 février. Le 23 janvier. Ouh là là, je suis déjà en avance sur mon temps. Donc le 23 janvier, décidément, j'ai du mal. Ça coûte aux alentours des 13€. Donc c'est un jeu à téléchargement online, hein, c'est sur Steam, sur PC, sur PlayStation 3 et sur Xbox respectivement, sur le Xbox Live et sur le PSN. C'est un jeu d'aventure, ça nous allons le voir. Donc je vais commencer d'ores et déjà par la présentation donc des petits personnages. Donc nous avons des petits personnages au nombre de 7, donc il y a un chevalier. Ça va être délicat parce qu'il parle au fur et à mesure que je vais passer sur les personnages, donc je pense que je couperai un petit peu le volume du jeu au montage pour que je puisse vous dire ce qu'il en est moi et non pas avoir la voix derrière. Donc nous avons donc un chevalier, un fermier, une voyageuse dans le temps, une scientifique, une aventurière, des jumeaux et un moine. Alors ces 7 petits personnages disposent tous d'un pouvoir spécial. Le moine va pouvoir utiliser de la télékinésie, les jumeaux vont pouvoir se transformer en fantômes et accomplir des tâches où normalement il aurait fallu avoir 2 personnages, eux peuvent le faire seuls. L'aventurière dispose d'un grappin, la scientifique peut programmer sur les ordinateurs, la voyageuse dans le temps a la possibilité de se téléporter. Le fermier, si ma mémoire est bonne, a la possibilité de respirer sous l'eau. Et le chevalier a la possibilité de se rendre invisible. Donc moi, je vais commencer par prendre le chevalier. Je vais me rendre sur la droite. Je vais récupérer le pied de biche qui va nous permettre d'ouvrir donc cette fameuse cave. Donc dans cette cave, nous allons trouver diverses énigmes. C'est un petit jeu d'action-aventure qui m'a énormément fait penser à ce qu'on pouvait trouver en point and click, un jeu particulièrement sur PlayStation 1 qui s'appelait Discworld, où il fallait récupérer un objet pour le mettre ailleurs et faire en sorte d'avancer dans l'aventure comme ça. Donc ce jeu là m'a énormément fait penser à Discworld, et vous allez comprendre pourquoi. Bah, déjà pour son atmosphère graphisme. Donc son atmosphère qui est quand même toute particulière. Donc là vous le voyez, je déplace un objet afin de me donner la possibilité de passer de l'autre côté et de continuer cette petite aventure ensemble. Donc c'est de la plateforme 2D. C'est un jeu qui a été édité par Sega, développé par Double Fine Productions, pardon. Et nous allons voir, donc là vous voyez, il y a un petit panneau qui nous suggère de ne pas monter à plus de 3 sur le pont. Donc c'est justement ce que nous allons faire, puisque dans le jeu nous pouvons contrôler 3 personnages. Donc moi pour ma part, je vais choisir d'utiliser comme personnage le chevalier, la voyageuse dans le temps, et comme troisième personne je pense que je vais prendre l'aventurière. Elle me plaît bien avec le grappin, ça peut peut-être avoir des choses, on va peut-être pouvoir faire des choses intéressantes. Donc là vous le voyez, je prends la voyageuse dans le temps tout simplement puisqu'elle a, elle a les lumières bleues et que son design me plaît bien. Et comme troisième personnage, je le disais, je vais prendre donc l'aventurière puisque ça me branche bien, l'histoire du grappin ça me plaît bien. Donc il va y avoir des petites énigmes à résoudre tout au long du jeu. Quand nous allons avancer, nous allons en voir quelques-unes ensemble. Nous allons voir la première ensemble. Là, nous allons donc nous diriger sur le pont afin de voir ce qui va se passer lorsque le pont... Nous sommes à 3 dessus, voilà, le pont s'écroule et nous allons rentrer donc directement dans le vif du sujet, à savoir dans la cave. Donc là, sur notre gauche, nous avons une porte qui est réservée aux employés, qui est fermée.
Voilà, j'ai coupé Skype. Donc on se retrouve une nouvelle fois donc sur le jeu. Donc comme je disais, nous avons une porte à gauche qui est fermée. Je vais me taire et vous laisser écouter ce qu'il nous raconte. Oh, I hope you're not here to visit the cave because we're closed. The gruesome and horrific accident has occurred and there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares will forever haunt your every thought. Well, if you insist. When I came in, we had no trinkets to sell in the gift shop. Oh, the humanity. I'll never be the same. Some things you can't unsee. What am I gonna do now? You know, there is a way I could reopen, allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need three small trinkets to sell. Just three. Let me say that number again. Three. Voilà, donc vous l'aurez compris, il nous offre la clé donc pour lui ramener trois choses à vendre dans sa donc dans son magasin. Hop, on récupère la clé et on va aller ouvrir cette fameuse cave et nous allons pouvoir comme ça rentrer dans le vif du sujet, à savoir avec le gameplay du jeu. Donc là voilà, on ouvre la porte. Donc, au niveau des boutons, nous avons un bouton X qui permet de ramasser et de faire des actions avec les objets. Nous avons également le bouton A qui va nous permettre de sauter. Oui, je joue à la manette de Xbox 360, je ne joue pas avec mon clavier et ma souris puisque sur ce genre de petit jeu, je préfère jouer à la manette. Nous avons également le bouton Y de la manette qui va permettre d'utiliser les compétences spéciales des divers personnages. Donc là par exemple, vous voyez, je vais vous montrer, je vais switcher de personnage vers la voyageuse dans le temps et je vais pouvoir vous montrer donc la première particularité donc de ce petit personnage, c'est de pouvoir se téléporter. Donc là vous voyez, je ne peux pas passer derrière le puits, mais avec ce petit personnage là je peux passer. Donc je découvre ce petit logo qui clignote. Ce petit logo qui clignote est en fait un achèvement dans le jeu. Il va falloir découvrir donc ces images que nous voyons en ce moment à l'écran. Et il y en a tout un tas d'autres à découvrir dans le jeu. Donc qui va nous permettre donc de nous raconter un petit peu l'histoire des divers personnages. Je vais maintenant prendre un petit peu le chevalier qui a le pied de biche qui va nous servir un petit peu plus loin. Donc là comme vous le voyez, si je descends, je peux voir qu'il y a un porte-fusil vide, un levier. Deux machines à donner des hot dogs et une machine qui donne donc de la boisson visiblement, et nous ne pouvons pas avancer plus loin par là puisque la cage à fusibles étant vide, on ne peut pas avancer. Donc là, première chose, vous voyez, il y a un levier. Donc ce levier, si je l'active, vous voyez que ça ne permet pas de passer en dessous, il n'y a pas assez de place. Donc je vais prendre mon petit personnage voyageuse dans le temps, je vais me diriger donc devant la porte, mais pas trop loin, parce que si je me colle à la porte et que je me téléporte, je meurs. Et là vous allez voir que dans le jeu, on ne peut pas mourir. Notre personnage est directement re-téléporté de l'endroit d'où il venait, nous ne pouvons pas mourir. Donc je vais faire attention à où est-ce qu'elle va se téléporter, voilà, comme ça je vais pouvoir passer de l'autre côté, activer le levier, ce qui va permettre à tous mes autres personnages de passer. Et il y a tout un tas de petites énigmes comme ça à résoudre qui peuvent prendre de toute autre forme en fonction des trois personnages que vous aurez choisis au départ. Donc là, si j'active la cloche, vous allez voir qu'il y a un dragon qui vient. Donc au niveau du chevalier, pardon, sa caractéristique spéciale est donc de pouvoir se rendre invulnérable. Donc si j'appuie sur Y, là, à ce moment-là, il est invulnérable, il ne craint pas les flammes. Et toutes les magies possibles, imaginables et tous les éléments, l'eau, les flammes, la lave et les choses comme ça. Et donc nous allons continuer à avancer et voir un petit peu ce que nous propose le jeu. Donc là je suis venu volontairement avec le biais de biche parce que je sais très bien que sur le vieux puits, on peut donc décrocher la manivelle rouillée. Cette manivelle rouillée va nous servir un petit peu plus loin à récupérer divers objets. Donc là vous voyez, il y a une pince, si j'active la pince, ça va nous faire remonter des eaux qui se trouvent en contrebas, là où on a vu le dragon tout à l'heure. Si j'essaye de prendre le fusible dans la boîte à fusibles, je m'électrocute. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, il y a de l'eau qui coule sur le fusible et donc impossible
de le prendre. Mais si on switch deux personnages, on va prendre par exemple l'aventurière. On va se diriger pour aller récupérer la manivelle. Et vous allez voir, c'est là que le jeu va prendre donc tout son gameplay. Moi, pour ma part, j'aime bien ce genre de petit jeu. Ça fait creuser les méninges. C'est un jeu qui ne coûte pas excessivement cher. Et comme j'ai dit, qui me rappelle fortement Discworld, sur lequel je m'étais vraiment énormément amusé. Bon, je ne vous le cache pas que Discworld finit à 100% sur PlayStation 1. J'ai été obligé de le faire avec une Solus, puisque le jeu était vraiment complexe et retors. Là, pour celui-ci, je pense que j'y jouerai comme ça en m'amusant. Donc là, vous voyez, voilà, je viens de remettre la manivelle brisée. Je vais remonter le... Et, comme par hasard, ça nous a permis de débloquer un seau. Un seau qui va donc nous permettre de récolter les gouttes afin de pouvoir récupérer le fusible que nous avons vu un petit peu plus haut juste avant. Donc on va aller déposer ce seau. Hop, voilà. Ici nous déposons donc le seau qui donc permet aux gouttes d'eau de ne plus tomber et va nous permettre à nous, par la même occasion, de récupérer le fusible. Donc on récupère le fusible, on va le mettre dans la machine qui se trouve au début où nous avons vu que le porte-fusible était vide. Et nous allons voir un petit peu les interactions que cela va pouvoir nous donner. Donc là, on va essayer d'aller cliquer sur la machine à soda. Voilà, ça nous donne donc une canette de coca. Je ne sais pas... Ah bah voilà, elle la boit tout simplement. Et dans la machine à hot dog, nous allons récupérer une saucisse. Et donc, moi, je sais déjà pertinemment à quoi va servir cette saucisse. Tout simplement parce que pour faire ce gameplay, j'ai préféré jouer un tout petit peu avant au jeu afin de savoir de quoi j'allais parler et pour vous faire un test et vous expliquer un petit peu de quoi il en ressortait. Je préférais tout simplement savoir de quoi il en ressortait. Donc là, maintenant, je vais switcher de personnage pour reprendre la voyageuse dans le temps afin d'aller récupérer mon fusible. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants je récupère ce fusible, puisque le treuil que nous avons vu un petit peu précédemment, et ben justement grâce à ce treuil nous allons faire une action. Hop, 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 hop là. Et oui, il faut monter, descendre, sauter. Nous allons donc replacer le fusible à l'intérieur, nous allons reprendre donc l'aventurière avec la saucisse, nous allons mettre la saucisse sur le pic, et là nous allons appeler notre ami le dragon, qui va s'empresser d'aller manger la saucisse, et pendant qu'il mange la saucisse, nous on va s'empresser d'aller activer le levier, qui va nous récupérer le dragon, et qui va donc nous permettre de passer de l'autre côté, puisque ce dragon nous empêchait de passer, il nous tuait tout simplement. Donc vous l'aurez compris, là on découvre au passage une nouvelle petite image. Donc ça, j'imagine que ce doit être une image au niveau du moine, je pense, vu le logo. Et donc petit à petit nous allons avancer quand nous franchissons une étape dans le jeu. Bon là comme vous le voyez, voilà, on vient de franchir une étape. Donc en franchissant les étapes, on accède à de nouvelles salles où il faudra donc récupérer des babioles, comme je le disais plus précédemment. Récupérer donc des babioles pour rendre au livreur. Là, on a une torche. Visiblement, on ne peut pas la prendre. Là, je pense qu'il va falloir faire exploser quelque chose puisque nous avons tout un tas de rochers et des panneaux avec écrit « Attention aux explosions ». Donc là, par exemple, si on prend une dynamite... Donc là, vous voyez, on va... Là, je découvre en même temps que vous, par contre. Je n'ai pas été plus loin que ça. Bon, j'imagine fortement que là, il va s'agir donc d'allumer la dynamite, de la déposer au pied... Dépose-la vite, sinon on va se faire sauter. Et voilà. Donc voilà, il suffisait donc de déposer la dynamite sans se faire tuer. Mais moi, comme d'habitude, dans tous les jeux, j'arrive toujours à me faire tuer. Et là, petit à petit, nous allons avancer. Donc là, il y a quoi? Un prix d'interprétation, visiblement. On peut le récupérer. Donc il va s'agir donc de trouver un petit peu tout ce que nous allons pouvoir faire comme interaction avec les divers objets. Donc là, vous voyez, par exemple, si j'avais pris la scientifique, j'aurais pu donc directement pirater l'ordinateur et ouvrir la porte. Donc je n'ai pas choisi de prendre la scientifique, donc il va falloir poser un personnage ici pour pouvoir passer de l'autre côté, en choisir un autre, et... etc, etc, tout au fur et à mesure de l'avancement du jeu. Donc là, si j'avais pris par exemple le personnage qui est le fermé, et eh ben j'aurais pu donc
nager sous l'eau plus longtemps puisqu'il a la capacité, si ma mémoire est bonne, il a la capacité de respirer sous l'eau de par la bulle qu'il semble faire autour de sa tête. Et donc voilà, petit à petit, il faut avancer comme ça dans le jeu. Ça fait partie donc du gameplay. Moi, c'est un jeu qui m'a pas mal plu, donc c'est pour ça que je souhaitais vous le présenter. J'espère que vous partagez un petit peu le même intérêt que moi je peux partager pour les jeux indépendants. On va dire que en période de non-sortie de gros hits, je donc bascule sur du jeu indépendant et sur du jeu rétro. Donc pour le jeu rétro, c'est en cours, je suis en train de faire les tests, ça m'a été pas mal demandé, donc vous aurez prochainement des tests rétro ou des petites vidéos pour nous rappeler un petit peu nos jeunes années ou pour faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas les anciens jeux. J'espère que cette petite présentation vous aura plu et vous aura convaincu. N'hésitez pas à liker et à commenter, puisque ça aide au référencement des vidéos et donc par la même occasion ça me fait connaître un petit peu plus. Je vous dis pour ma part, comme d'habitude, à la prochaine fois, en vous souhaitant de bien vous amuser. Allez, à ciao tout le monde !